Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec les Ottomans. tiens, je vois juste qu'il y a une paix qui a été signée là, Milan cède Mantoue. Non, c'est quoi cette guerre? Bourgogne. C'était quoi le but de la guerre là? Alors, hop. Voilà, Sion, c'est une guerre quand même qui m'intéresse. Non, c'est pas ça. Ok. France contre Bourgogne. Guerre nationaliste bourguignonne contre la France. Je pense que la France va perdre très largement. Ceci dit, l'Autriche a perdu. Enfin, la Bourgogne a perdu son allié milanais, c'est ça? Oui, ils étaient forcément de l'autre côté. Bizarre comme paix, ça. Ou alors c'était une deuxième paix. Bon, peu importe. Moi, ce que je voulais voir, c'est ce que je pouvais faire sur l'Autriche. Mais le problème, c'est que j'ai dit la dernière fois que j'aurais pas Clèves avec. Mais forcément, j'aurais Clèves. Puisque l'Autriche appartient à l'Empire. Donc Clèves va forcément venir. Et ça, ça me saoule d'avance. En plus, il faudrait que je prenne ma science nationaliste. La science nationaliste. La 23e science, là. Pour avoir les casus belli améliorés. Ouais, je crois que je vais prendre cette science, je vais craquer. Ça va faire une petite pause dans mon... dans ma doctrine, mais c'est pas grave. Alors sinon, j'avais d'autres guerres potentielles. Hein. Alors ceci dit, je peux avoir un vassal de plus, c'est ça? Ouais. J'irais bien vassaliser Rome, est-ce que c'est possible? Ouais. Et intégrer... parce que Naples, en fait, est quasiment assez gros pour être intégré. Ils sont déjà à 149. Honnêtement, j'ai pas trop envie de les faire grossir plus que ça. Le problème de la vassalisation de Rome, c'est qu'ils sont alliés avec l'Espagne. La dernière fois, c'était ça, ouais. La vassalisation de Rome, ça va être compliqué. Mais c'est possible. Faudrait que l'Espagne soit occupée dans une guerre un peu plus grosse que celle-là, j'avoue. Bon, de toute façon, pour l'instant, j'attends de pouvoir prendre ma science nationaliste, là. Ça devrait pas tarder. Ah bah, c'est fait. Donc là, normalement, je devrais gagner un casus belli sur le monde entier. Voilà. Donc maintenant, grosso modo, je peux déclarer la guerre à qui je veux, comme je veux. Comme ça, c'est plus simple. Donc vraiment le problème c'est si je déclare la guerre à l'Autriche, je vais me retrouver embarqué. Ah, il y a quelques alliés qui les laissent tomber. Non, l'Angleterre les suivra toujours. La Suisse, Utrecht. Ah, je sais pas quoi faire honnêtement. J'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu de mal les Bourguignons là. Ils ont réussi à prendre la capitale, mais ça fait pas tout. Ils sont somme toute qu'à plus 8, c'est pas si énorme que ça. En plus, là, les Français sont en train de reprendre leur ville. On va voir ce qu'il en est. Faudrait que les Anglais les abandonnent. Tiens, j'ai vu que j'avais trop de points militaires. Ça, c'est pas cool. Alors, réserve. Celui-là, par exemple. Ah, je peux pas. Non, définitivement, il y a trop de déséquilibre entre les points de développement administratif, militaire, diplomatique. Voilà, ça doit être bon. Ils n'arrivent pas à reprendre leur ville, là, leur capitale. Il faudrait vraiment qu'ils la reprennent. Et Clèves est en guerre aussi. Hein. Ah non, Clèves a signé la paix. Et ils ont peut-être jamais participé, ceci dit. Ah, ils ont bougé les Français. Donc, ils reprendront pas leur capitale de sitôt. Bon.
Ah bah la Bourgogne s'y recolle là, mais bon, je sais pas pour combien de temps. Je sais pas vraiment quoi faire. Les Espagnols sont toujours en guerre, ils ont toujours une guerre sur le feu. Une petite guerre contre un pays colonial. Mais c'est pas ça qui va les gêner si je fais la guerre à Rome. C'est ça qui m'embête en fait, c'est qu'ils vont avoir. On va être obligé d'aller chez eux peut-être. Ce qui m'embêterait un peu. Ah, mais j'aimerais bien voir Rome quand même. De toute façon, il le faut pour mon fait. La Savoie et la France. Oh, personne ne vient aider Venise là. Comme c'est dommage. Ah, ça m'intéresse. Personne ne vient aider Venise dans cette guerre. Là, j'ai moyen de progresser. Allez, c'est parti. Si personne ne les aide, l'occasion est trop belle. Je vais ramener quelques troupes de ce côté-là de la côte. Là, il y a un petit problème quand même, c'est que je sais pas pourquoi, j'ai que 15, 16 000 hommes ici. Ah, ça vient de Serbie, ça. Donc on va attendre que la Moldavie soit intégrée. Ouais, 50 points administratifs, honnêtement, j'ai pas besoin d'argent. Ça me fait penser que cet argent, il faut que je le dépense. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Maintien des États moins 50. Je sais pas trop comment ça marche, ça j'avoue. Est-ce que c'est. Je peux en faire plusieurs par province ou. Parce que c'est vrai que ce serait assez intéressant. Karamani est un État. Je crois pas qu'on peut voir le détail. Est-ce qu'on peut voir le détail des États et possessions? Voilà. Ouais, on a le coup ici. Éthiopie centrale, Mewar. Udav. D'accord, c'est Éthiopie centrale. On va essayer en Éthiopie centrale. Celui-là. On va voir comment ça marche, parce que j'avoue que c'est le bâtiment que je me suis jamais trop intéressé. Ok, je me suis jamais trop intéressé. Ah, l'Éthiopie centrale a déjà disparu. Bah merde alors, c'est quoi ce délire? Ah non, ils sont là. 1-13. On verra dans un an. Et surtout, est-ce qu'après je peux en construire un deuxième juste à côté, quoi, pour faire, je sais pas, moins 50 de moins 50? Je sais pas comment ça peut marcher. On aura la réponse. Est-ce que je peux en construire un autre en théorie? Donc on va très vite voir ça. J'ai dit, il faut que je vienne ici plutôt. Ça, on va le sortir de la réserve. Je pense qu'il faut que je réunisse mes navires quand même si je fais une guerre contre Venise. On devrait réussir à en avoir plus qu'eux, mais faut quand même que je me méfie. On n'est pas encore tout à fait prêt, hein. En même temps, ça va se finir. Parfait. Oh là, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est bon. Ah, ça fait encore un gros morceau de plus. Par contre, là, on va fusionner ces armées. On va en profiter. Donc là, il m'en faut que 14. Là, il m'en faut 10. Donc ça, je peux d'ores et déjà détruire. J'ai du mal à finir le display à ce rythme-là. Là, il m'en faut pas autant. Ok, et 3 d'artillerie feront l'affaire, bien sûr. Alors, ce que je voulais faire, c'était. Ah, mais j'ai pas fait les états dans ces régions, donc à mon avis, ça va pas rapporter gros dans toutes ces régions que j'ai pu intégrer là. Ouais, comme il n'y a pas d'état, à mon avis, ça va pas être très intéressant.
Et les états, je sais pas dans combien de temps c'est. Ah, c'est la prochaine. Ah, bah, c'est l'année prochaine en fait. Donc d'abord, il faut que j'économise des points administratifs. Et il faut que j'attende encore un an. Ah, bah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ceci dit. Ouais, le côté pénible de la chose, c'est que personne n'a fait mes... les revendications sur Venise comme je l'avais demandé. Ça, c'est vraiment pas cool. Ok, donc ça c'est mes petites légitimisations suite à mes conquêtes à Nogai. Il me faut combien de points là pour l'Autriche? Je crois qu'il m'en faut 30. Non, non, d'accord. Non, 25, c'est ça. Ouais. Donc là c'est juste au cas où on serait amené à leur faire la guerre. Pour l'instant c'est pas trop d'actualité parce que j'ai pas envie de me taper Clèves et tous ses alliés. Donc là, dans l'immédiat, c'est la guerre contre Venise. On avisera après. Ah, le Savoie vient. Bon, c'est peut-être même mieux encore. Je peux transférer des territoires de Savoie à Gênes. Impérialisme. Ok. Est-ce que Gênes a encore des revendications là? Oh oui, ça c'est encore mieux d'ailleurs. Ah, ça me plaît énormément. Oui, ça me plaît. On va... D'abord, on va ramener plus d'hommes ici. Alors, ce qui est bête, c'est que Naples va toujours pas m'aider, c'est ça? Ouais, ils sont encore à 95. Je pense qu'il faut au moins 90 000 hommes sur cette côte, et puis... Là, je peux même pas traverser. Il va falloir que je vienne en bateau. 50 points administratifs de nouveau. Ça, honnêtement, c'est super intéressant parce que je vais en avoir besoin des points administratifs. Quand je vais devoir créer mes états là. Alors, ceci dit, on en est où dans le bâtiment? Ça s'appelle comment? Hôtel de ville, hein? Ouais. Là, je pourrais pas passer. Je vais quand même envoyer mes navires. Je vais attendre qu'ils soient réparés et je les enverrai faire le blocus. Oh, ils s'attaquent. Allez, c'est parti. Du coup, ça me donne envie de ramener plus de troupes. J'ai quand même pas de très bon leader en ce moment. J'ai que ça. Genre, non, si je vais largement de quoi. En termes de points militaires, j'ai tout ce qu'il faut. Là, ça devrait suffire pour gagner la bataille. Pas la peine de ramener plus. Est-ce que j'en ai un avec un bonus de siège? Ouais. Je crois que celui-là n'avait pas de bonus de siège. Si, il avait un pareil. Mais moi, ce que j'attends, c'est que mes navires soient réparés et que je puisse venir faire un blocus. Gondar, il y a des révoltes, sérieux. On est juste à côté, prêt à intervenir. Iglino, c'est quoi ça? Honnêtement, il y a des noms de province là, je connais plus. Hein. J'avoue que c'est. Ah, ça va, je suis pas très loin non plus. Pune, je pense que c'est en Inde, ça. Très honnêtement, j'ai pas trop de. Ouais, c'est ça. Donc, je suis prêt aussi. Alors, je vais me faire quelques revendications sur le Bengale, pourquoi pas, puisque on a beaucoup de conquêtes à faire sur eux. Ils n'ont pas une grosse résistance à l'espionnage. Donc, autant y aller. Ouais, putain, mes navires, ça n'avance pas là. Donc j'attends la construction de mon bâtiment là pour voir l'hôtel de ville, à quoi ça sert vraiment. On est à 1,13. Hein. J'ai quelques doutes sur son utilité, mais et surtout je veux savoir si ça se cumule, si on peut en faire plus d'un par province. On va voir ça.
Donc ça, c'était prévu. Parfait. Oh, 28, on a fait un bond là. Et mes navires, ça donne quoi? On est prêt. Ouais. Ils sont pas très nombreux. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait massacrer. Mais enfin bon, là, je pense quand même que 1 contre 3. Allez, sauf qu'en fait, ils sont 95 quand ils. Allez, ça fait beaucoup en fait. Alors, 1, 13. Ah non, mais le moins 50, j'ai pas trop compris. Ça me fait gagner que dalle. Je pense que c'est moins 50 pour la province uniquement. C'est pas le bâtiment le plus utile du monde, je dois dire. Je sais pas quel. Ah oui, ils sont obligés de faire la guerre, c'est vrai, à la Bourgogne aussi et à l'Autriche. France, Savoie, Venise. Je sais pas pourquoi ils vont tous dans ce sens-là, là. Je sais pas trop où ils vont, j'avoue. Donc en fait, définitivement, c'est bien ce qui me semblait, ce bâtiment est quand même très moyennement intéressant. Ou à le faire vraiment dans les grosses provinces développées, on a vu que ça rapportait quasiment rien, quoi. Pff, non, ça sert à rien ce bâtiment. Honnêtement, si c'était moins 50 pour la maintenance de tout l'État, mais là ça m'a fait gagner quasiment rien du tout. Faudrait vraiment se concentrer sur les grosses provinces à la rigueur. Peut-être en se concentrant sur les provinces vraiment développées, genre le Caire. La Mecque, c'est où? Peut-être que la Mecque l'a déjà. Nous ne pouvons pas construire d'autres. Je pense qu'ils l'ont déjà. Il y a peut-être Moscou. Par contre, il y en a qui aiment vraiment ça, là. Tous ces gens, ils ont construit ce bâtiment. Ouais, Moscou. Non, c'est pas Moscou, ça, j'arrive pas à lire. Moscou, c'est là, pardon. Moscou, il peut y avoir aussi Téhéran. Téhéran, c'est déjà fait. C'est bête, il n'y a pas le gain direct, donc en fait ça va vraiment pas m'intéresser. Trop difficile à savoir hein, l'impact de ce bâtiment à connaître. De 65, c'est pas mal. Ouais, je cherche des chiffres qui pourraient un tout petit peu quand même sortir de l'ordinaire. Ça, c'est pas moi. 1,24, 1,87. Ouais, c'est loin d'être exceptionnel tout ça. Sur le Caire, je crois. Sur Constantinople, je crois pas que ce soit très intéressant. Ok, je me suis ruiné pour pas grand-chose, à mon avis. Les lumières. Oh, je sens que je vais pas aimer ça. On va voir où c'est. Alors, par contre, il y a un événement là. Abolition de l'esclavage. Ça va pas trop m'intéresser, honnêtement. Il y a un bonus sur le coût des technologies, mais il dure que 10 ans. Et après, ça rapporte quand même moins d'impôts. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, il faut que j'arrête est-ce que je peux l'arrêter? 23 mars. Ah non, c'est bon. Encore 3 mois à attendre. Donc ça, je vais le prendre définitivement. Et je vais pouvoir définir 15 nouveaux États. Alors, je vais pas. Ouais, il faudra que je cherche, j'en ai 79 à créer là. Je sais pas comment je vais faire ça. Ouais, je pense que Serbie et Bosnie déjà, Adriatique orientale. Donc tout ça va être là. Adriatique, Bosnie, Serbie, ça doit être quelque part, voilà, là. Ok, ensuite, plus 76. Valachie, ouais. Zaporogi, je sais pas où c'est. Khorasan, d'accord. On va partir du principe que tout ça c'est dans les parages. Ruthénie, Moldavie. Je sais pas où c'est cette histoire de.
Zaporoshi, là. Alors, Khorasan, c'est là. Voilà, j'avais visé juste. Ensuite, est-ce que je peux pas viser plus juste en faisant un nom ici? Ou alors en mettant les maintenances comme ça. Éthiopie centrale, c'est pas un état? État, oui, non. Maintenance. Ah, Éthiopie centrale, c'est pas un état. Je crois que c'est un état. Bon. Mewar et Éthiopie centrale. Ah oui, en fait, c'était pas un état, donc le bâtiment que j'ai fait servait pas à grand chose. Mewar, c'est là. Je crois que je vais voir mieux en partant d'ici. Orisha et Odoab, je sais pas où c'est tout ça, sérieux. Orisha. À Côte d'Orisha, ça va nous permettre de voir, ouais. Orisha. Multan et Odoab. Putain, je sais pas où c'est le Odoab, je sais déjà pas où c'est le bas. Doab. Ah, on risque de pouvoir. On devrait pouvoir trouver comme ça, non? Odoab, c'est là. Multan, c'est pareil, je sais pas où c'est. C'est pareil, c'est dans les mêmes. Tout ça, c'est des régions très riches. Ok. Tapti. Sorastra, bah je sais pas où c'est tout ça, sérieux. Il me sort que des noms que je connais pas. Alors je me dis que du coup, si je les connais pas, c'est que ça doit être en Inde, mais de là à les trouver. Parce que si je cherche Tapti, là, ça risque d'être chaud quand même. Ouais. Et Sorastra, je me demande si je l'ai pas vu et que j'ai pas réagi quand je l'ai vu. Il me semble avoir. Tapti, c'est là. Sorastra, sérieux. Je pense que c'est toujours dans le même parage parce que vu comment ça s'écrit avec des accents là, je suis à peu près sûr que c'est dans les parages. Alors, état et possession. Ouais, de toute façon, rien n'est transformé forcément dans les parages là. Ça risque pas d'être dans les grandes régions comme ça, à mon avis. Ça, c'est exclu. Bon, Sorastra, on va attendre. Hein. Bashkiri, par contre, ça doit être plus près de la Russie. Vu le nom. Ah. Oui, tout à fait. Bashkiri, c'est là. Sindh, ça c'est en Inde. Marwar, côte de Somalie. Donc ça va plutôt être dans les parages. Ok. Marwar, c'est là. Il me faut Sindh et Sorastra que j'ai toujours pas trouvé. Donc Sindh, c'est. Ah, Sorastra, je viens de le voir là. Voilà. Donc en fait, c'est toutes les régions d'Inde qui sont les plus développées. Et je suis déjà rendu au bout là. Oh putain, il m'en reste 64. Ouais, c'est la folie, hein. Je vais jamais y arriver évidemment. Bon. Eh bien, voilà, maintenant il va falloir. Tiens, ça coûte trop cher ça. Là, j'ai des sacrés malus, hein. Les 50% font très très mal. Bon, c'est pas grave. J'ai bien mis le focus sur. Je vais remettre le focus sur l'administratif, parce que là, ça devient problématique en fait. Alors, vite fait, les oulémas et les oumeras veulent des provinces, forcément. Alors, on va d'abord donner genre celle-là. Tous ceux qui sont dans les 1000, là, ça devrait le faire. Oumera. Ok, maintenant les oulémans. Je trouve qu'ils sont pas très gourmands, honnêtement. Ils demandent pas tant de provinces que ça. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oulema. Oulema, hein, c'est déjà fini. Hein. Ils sont vraiment pas très très gourmands, on va dire. Alors, je dois pouvoir prendre ma science militaire. Ok. Bon, il serait temps quand même que le premier siège se finisse là.
C'est pas que j'en ai un peu marre, mais c'est long. Ok, ce bateau-là, je pourrais le faire venir participer au siège, au blocus. Et ça va quand même être une guerre un poil pénible parce que... Ouais, faut que je demande l'accès à l'Autriche. Je pense qu'il devrait me le donner. Non, d'accord, moins 80, j'ai rien dit, j'ai dit une bêtise. Il nous déteste toujours autant. Par contre, Venise peut-être. Alors, est-ce que j'ai un diplomate? Non, pas vraiment. Pas Venise, je veux dire Rome. Est-ce que Rome... Ouais. Donc on va pouvoir passer... Non, mais il n'a pas plus simple. D'accord, bon, bah on va aller là. Je pouvais faire ce siège-là depuis le début, peut-être, mais... Ah non, c'est parce que Rome m'avait pas répondu à ma question, en fait, je crois. D'accord, ok. Là, on va aller là. Il faut quand même un peu accélérer les choses. Parce que si je veux aller faire une paix séparée avec la Savoie, hein, ça va quand même être un peu long. Donc il vaut mieux commencer à y aller en masse. Ok, ça c'est mon armée, ça je peux ramener ça au cas où. Alors j'avais un petit peu oublié les missionnaires. Bon bah là c'est parti. Alors ceci dit, je pense que ça va me rapporter, hein, parce que c'est des provinces qui sont riches, du coup je vais pouvoir construire des manufactures et tout ça, mais fou, ça a un coût quand même non négligeable, je dois dire. Là en fait, je vais pas faire trop de conquêtes pour moi. Je vais principalement donner à mes vassaux. Comme ça, j'aurai pas besoin de dépenser de points administratifs. Je crois que c'est encore la meilleure solution. Ah, ça c'était pas vraiment prévu, mais si, c'est bon, j'ai du monde sur place. J'ai pas de leader de libre, sérieux. Je peux pas utiliser mon roi. On va y aller comme ça, en croisant les doigts. Alors, on s'en fout. Ah, est-ce que j'ai pas libéré un leader là, en faisant ça? Ouais, parfait. Bon, un siège de réussite. Eh ben dis donc, il va m'en falloir beaucoup comme ça. On va aller d'abord ici marquer une pause. Ouais, du coup j'ai plus besoin de blocus ici. On va repartir le fer de l'autre côté. J'ai l'impression que mon armée s'est arrêtée net. Pourquoi elle n'a pas été jusqu'où je lui ai dit là? Ouais, elle ne doit pas pouvoir passer. L'autre, elle devait passer par les navires en fait. C'est pas vraiment ce que je voulais. Ignorons-les, on s'en fout. Ok, c'est parti pour le premier siège sur la Savoie. Je sais pas si j'ai assez d'hommes. Ouais, c'est ça, ils passent par les navires, c'est pas super pratique, mais bon. J'ai pas trop le choix. Un peuple d'honneur, 20 de prestige. Ça m'aura bien maintenu à mon maximum de prestige en permanence. Bon, là, je vais repartir sur les doctrines avec un marchand de plus. Alors, où en était-on? J'en ai mis un ici. Mais lui, je sais pas pourquoi il envoie par là. C'est sans doute pas exactement ce que je voulais faire, en fait. J'avais pas vu. Donc, on va attendre de voir le résultat, mais je pense que ça devrait être plus à mon avantage, voilà. Donc ici, on s'en fout, ça transmet tout ici, tout ici, tout ici, ok. Ça, c'est bon. Bon, bah, je crois qu'on va très logiquement commencer à partir
Pour l'instant, sur celui-là, le mieux c'est de dominer Ceylan et d'envoyer directement tout au golfe d'Aden. Mais pour l'instant, je domine pas Ceylan, pas du tout même. Donc, pour l'instant, on va prendre celui-là, transférer. On va peut-être pouvoir enlever celui-là, un de ces quatre. On va voir. Oh merde, j'ai déjà perdu mon roi. Oh putain, il a pas vécu vieux. Hein. Il était super, mais il a pas vécu vieux du tout. C'est dommage. Hein. Bon. Donc les 1% de missionnaires, 1% de conversion, l'agitation. Ah, je suis déçu là. Bon, je m'arrête parce que j'ai largement explosé mon temps là. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.